Éleveur de blonde d'Aquitaine, Jean-Luc Bioguillambé travaille pour une coopérative agricole dans la filière viande. À la tête d'un cheptel d'une centaine de mères, blonde d'Aquitaine, il se prépare aujourd'hui, comme tous les agriculteurs, à la nouvelle réforme de la PAC pour 2023. Comme tous les agriculteurs, on touche des aides, mais toujours de moins en moins. Et donc, il faut qu'on prenne ailleurs, quand il y en a. C'est pas évident. Une journée d'information était organisée sur l'exploitation par les conseillers de la Chambre d'agriculture. L'objectif, présenter les nouveaux critères de la PAC pour les éleveurs bovins. À l'éco-régime, si vous voulez, donc pour aller chercher mon paiement. Principal changement, une partie importante des aides sera attribuée en fonction de critères environnementaux. Si j'ai un des items sur lequel j'atteins pas le niveau maximal. La présence de haies. Les bordures, les lisières de forêt aussi, qui sont des éléments importants en termes de biodiversité. Les bords de cours d'eau aussi, qui doivent être enherbés depuis quelques années. Donc tous ces éléments aussi concourent à ce qu'on appelle le maintien d'infrastructures agroécologiques sur les différentes exploitations. En fonction du respect ou du non-respect de ces éléments-là, on peut osciller entre 76 euros par hectare, 54, voire 0 pour celui qui ne respecterait pas ces conditions-là. Pour les producteurs bovins, la charge de travail augmente entre le suivi de l'exploitation et la gestion des animaux au quotidien. La réforme s'annonce donc complexe. C'est une complication de plus. Il va falloir être suivi par les chambres pour monter ces dossiers parce qu'on n'y arrivera pas, c'est sûr. Donc il faudra payer. Donc voilà, c'est les inconvénients qui vont encore nous tomber dessus. Une réforme de la PAC 2023 contraignante pour les agriculteurs. D'autant que la Commission européenne n'a pas encore statué sur certains critères environnementaux.